Bien le bonjour les amis, bienvenue sur Perla Galère Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. On est sur du Hyrule Warriors ce matin. Alors ce matin, pas mal de choses. On va se faire, je pense, une session d'Hyrule Warriors et on se fera une session de Phoenix. Ouais, Immortal Phoenix Rising, je pense. Et si on a un petit peu le temps, salut mon Palman, comment tu vas? T'es en forme? Si on a un peu le temps, on refera un petit peu d'Aven, mais c'est pas sûr. En tout cas, bienvenue à toi. Salut mon chouchou, comment vas-tu? Comment allez-vous? Et est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, au programme, ce matin, on a des victuailles à les trouver un petit peu par là. Je voulais qu'on commence par se faire un entraînement, l'entraînement Zora, ici. Niveau conseiller 21, on est 26 avec Impa, mais je pense pas qu'on parte là-dessus. Et après on aura l'aventure principale à se faire aussi. Comment ça va ta main, mon loulou? On va discuter un petit peu avant de partir. Comment va ta main? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça te fait pas trop mal? Prenez-vous un café les amis, installez-vous tranquillement et puis on va partir. Pour la matinée de live, bien sûr, comme on fait d'habitude. Vous n'oublierez pas que lundi à 20h, on se finira The Last of Us partout. Mardi, on repartira sur du Hyrule Warrior. Et bien sûr, vendredi, on se fera du multi tous ensemble. Donc, ce sera pas mal. Alors, non, j'ai pas mal, j'ai toujours... L'attel pour 8 jours, d'accord, avec... ouais, tu... tu m'étonnes, ça doit être super, super casse-pied. Je vous avouerai, le matin, comme ça, j'ai les yeux qui piquent ce matin, je suis un peu, je sais pas si c'est le froid ou ce que c'est, mais je suis un peu tassé, un peu cassé de partout. Je dormais bien, et pour une fois, j'ai bien dormi, donc nickel. Salut mon Dio, comment allez-vous? Comment vas-tu? Installe-toi tranquillement, mon joueur. Coucou Papa Galère, tu vas bien? Je te fais un coucou express pour te souhaiter un bon week-end, mais un bon week-end à toi aussi, mon Joe. Et merci pour ton host. Comment ça se règle ou pas finalement tes ennuis de stream? On va partir sur. Alors, je suis sorti ce matin à 6h30 pour du pain, il faisait 2 degrés. Putain, ouais, ça pique. L'autre jour, on n'était pas à ce niveau-là, mais on était à 5 degrés. Mais quand tu travailles à 5 degrés avec les mains dans l'eau, en fait, bah tes mains, elles aiment pas. Et puis, non, le froid, ça casse un peu, quoi. Surtout chez nous, on n'est pas très très habitué au froid, donc on a plus d'hiver depuis 3-4 ans, je pense. Et donc du coup, c'est toujours compliqué. Moi, je suis bien quand on est au-dessus de 10. En dessous, bon, après, je t'avouerai que je suis pas spécialement couvert non plus pour du en dessous de 10. Alors, toujours aucune nouvelle pour Joe. D'accord, ok. Ah, dans le sud, dans le trait, vraiment dans le sud-sud, en fait, dans le sud-est. En face, il y a la Corse. Voilà. À quelque chose près, quoi. Et pas très très loin de l'Italie, finalement. À 1h30 de route, à peu près, de l'Italie. Donc voilà, comme ça, tu te situes à peu près où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est, c'est là qu'il faudrait que tu viennes en vacances, il paraît. Mais il y a déjà bien assez de monde en vacances l'été, donc vaut mieux venir intersaison, en fait, chez nous. Vaut mieux venir au mois de juin, et puis au mois de septembre, octobre, on a encore des belles journées, et surtout si tu chopes la bonne draille, l'eau elle est chaude et tu peux te baigner, quoi. Enfin, on s'entend, on n'est pas à l'île Maurice ou je sais pas, ou aux Maldives, mais l'eau reste abordable. 26, 28, c'est bon, quoi. Bon. Eh ben on est parti les amis, je sais pas ce que vous en pensez, on va se mettre sur la scène live, et puis on va partir comme ceci. On va se mettre comme ça, hop, je vais mettre le chat juste en face, et on est bon. Alors ma boîte d'intérim m'a acheté des chaussures de sécurité à 100€, j'ai regardé sur quel site elles peuvent tenir jusqu'à... jusqu'à 10, c'est vrai. Des bonnes chaussures de sécu, ils en font des vraiment bien maintenant, des chaussures de sécu qui sont assez souples. Quand j'ai commencé, les chaussures de sécurité, elles n'étaient pas isolées, donc quand ils faisaient des températures basses, t'avais les pieds, ils étaient comme des glaçons dedans, et ça protégeait parce qu'il y avait une coque, en fait, mais ça blessait vachement.
Allez, on va se mettre, je pense, ici, les loulous. Dites-moi au niveau du son de ma voix si ça vous va, parce que j'ai la voix un petit peu éraillée et un petit peu étirée ce matin. On va se faire un entraînement, l'entraînement quotidien Zora, ici. On va changer, on va prendre Mifa, par contre, vous me connaissez. On va prendre mon main... on peut pas, d'accord. Ah zut. Si on peut pas, on va garder... On va garder Impa, du coup. Alors, équipe fixe temps limité. Ok. On va donc peut-être prendre une accélération. Déplacement plus 10%. Tiens, on va prendre ça, je pense que c'est bien. Un bon week-end à toi, mon chéri. Chouchou, un bon week-end à toi. J'allais dire mon chéri, tu as l'habitude à parler avec mon fils. Enfin, après, si tu veux être mon chéri, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je crois pas. À très très bientôt, mon chouchou. À très très bientôt. Merci d'être passé, en tout cas. Notre chéri à tous, c'est ça. C'est notre copain chéri à tous. Copain de nous. C'est copain de nous, les gars. Comment va ta fille, Palme, ce matin? Elle n'est pas encore debout, elle t'a pas encore réveillé. Si, sinon tu ne serais pas levé à 6h, à 6h30. Si, elle est debout. Ben oui, tu m'étonnes. 6h30. C'est bien l'heure pour un enfant à se lever, clairement. J'ai pas dormi pendant 4 ans, ça va pas te rassurer, mais j'ai pas dormi du tout pendant 4 ans, moi. Alors, entraînement quotidien, Zora. Eh ben écoute, on va faire ça. Voilà, allez. Ça va déglinguer un petit peu là, ce sera bien mieux, les gars. Hop là, on va balancer des bombes. Hop, on va repasser derrière. On va attendre le chef de la contrée, bien sûr. Mais prenez l'avant-poste en 4 minutes, ça devrait le faire, je pense. Ouais, il y a quand même du monde. Allez, on va absorber le symbole. Voilà, ça ira quand même un peu plus vite comme ça. On va se rapprocher des autres qui sont là-bas, je pense. Ça me fait rire parce que... Parce qu'on a tous, en fait, on a tous la même vie. Dès que t'as des enfants, tu sais, c'est toujours comme ça, quoi. C'est toujours comme ça, t'es sûr que tu es réveillé tôt. Et punaise, là où t'as de la chance, c'est si tu l'amènes pas à la crèche et qu'ils te la font pas dormir la journée. Parce que nous, ils me faisaient dormir le loulou la journée, tu sais. Mais quel cancer, les gonzesses de la crèche, je te jure. Et puis après, elle te dit, non, mais j'ai pas le droit de le réveiller. Mais je dis, mais t'es malade, quoi. Je vais t'appeler à 6h... Je vais t'appeler à 1h du matin, tu vas voir. Je te jure, des fois. Hein. Alors, il y a moins de monde, là. Alors nous on veut bien mais j'arrive pas à voir. Est-ce que c'est par là? Oui, on va monter par là peut-être. Non non, c'est bien ici, il faut continuer par là mais du coup ça avance pas, quoi. Ah voilà, des soldats apparaissent sur le champ de bataille, ce sera bien quand même. Si on a personne, c'est un peu compliqué. Alors fais voir. Voilà, moi je veux bien. Allez, on va absorber le symbole. Ok, par là. Alors, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez. On va mettre une petite ulti, mais... Ah, bah il y a enfin le chef. Il y a enfin le chef, les gars. Voilà. Oui, bah... Pas tout à fait. Il est où, le chef? Je le vois pas, en fait. En gros, on le voit pas. Ah, elle est là.
Ah mais c'était Mifa, d'accord. Hop. Ah, on est trop loin. Je pense qu'on est trop loin là. On est un petit peu loin. Oula. Ah, punaise, Mifa, elle est tellement dure. Elle est tellement dure. Loupé Mifa, merci. Hop, on va prendre un symbole, ça ira mieux. Mais elle nous déglingue, sérieux. Ok, eh ben. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui réchauffer le... c'est bon. Mais ouais, Mifa, c'est mon main préféré. Mais à jouer contre, c'est compliqué, je trouve. Mais c'est bien. Incroyable, quelle adresse incroyable, il faut continuer ainsi. Mais du coup, ouais, vachement bien. L'entraînement est terminé, ok. Nickel. Entraînement quotidien, Zora. On va se réveiller tranquillement tout en bourrinant, les amis, ça va être que du bonheur. Ok. On va reprendre Link avec nous, ça va mieux au niveau, tu vois, moi quand je suis pas obligé d'utiliser les gâchettes pour taper, ça va un peu mieux. Mais j'ai remarqué que j'avais pas, il n'y a pas que moi qui avait un problème là-dessus. J'ai vu que Léliane, hier soir, je l'ai passé sur son stream, et elle avait le même problème en fait. Tu sais, tellement habitué à jouer à The Breath of the Wild que quand tu dois utiliser les gâchettes pour taper, en vrai... Enfin, moi spécial, ça me va pas trop. Alors, fais voir qu'est-ce qu'on a là. Oui, oui, on a de la viande de poulet encore. On pourrait se faire, par exemple, ça. Niveau 9 conseillé, on peut faire. On peut faire parce qu'il nous faut du poulet pour arriver à lever ce truc-là. Là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Sauvetage en urgence, ok. Après on va grimper sur la quête principale, mais je pense qu'on va essayer de se faire ça pour essayer de... Alors on va prendre Link histoire de se remettre un petit peu dans le move avant de se faire la quête principale. Non c'est bon, on va prendre ça, on va revenir ici. Non, par contre attends, voilà, on va lever l'espadon puisqu'on avait fait un entraînement pour l'espadon. On va venir ici, on va prendre ça. Et par contre ce qu'on va faire, c'est ça, on a l'épée de légende. Avant de partir en guerre, on va venir là. On va faire quelques fusions. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on va faire quelques fusions parce que là, on en a beaucoup en vrai. À moins que on aurait pu vendre des armes, non. Oh, ça va, il nous reste 3 slots. Ça devrait le faire, je pense. Fais voir. On peut peut-être faire une fusion de plus. Est-ce qu'on a quelque chose à fusionner? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Regarde, par exemple, on va fusionner ça. Bim. Avec une autre épée. Bam. On va en fusionner plusieurs et puis ça nous fera une petite montée en level en fait qu'on pourra utiliser après. Donc on a ça. On va utiliser celle-ci. Bim. On va fusionner. Et après on va s'en servir. Ouais, faut faire attention, on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'argent finalement. Voilà, et on va reprendre. Donc du coup, ça c'est quoi? C'est l'épée de voyageur, niveau 14. C'est ça. On va prendre ça. Bim, on va fusionner. Ça devrait nous donner un petit peu plus d'XP, voilà. C'est pas l'Amérique, mais c'est bien quand même. On est niveau 59 quand même. Niveau de l'attaque.
C'est propre, c'est propre. Il y a pire, il y a mieux, mais c'est plus cher. Alors, on va venir ici et on va faire cette quête là. Allez. On prend pas d'effet de cuisine, on va laisser comme ça pour l'instant. Une quête de niveau 9, ça devrait le faire. Il faut farmer, hein, c'est le but, hein, ma pauvre Lucette. On farme un petit peu tout ça. Je vous avouerai que j'aurais bien dormi encore un peu là. On a bien avancé quand même dans le jeu. Il nous reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, je pense. Mais on a plutôt pas trop mal avancé. On va vite se mettre un petit peu sur de la quête principale, là, juste maintenant. C'est ce qu'il y a, c'est que tu peux vite te perdre, en fait, dans tout ça, là. Hop. Alors, on va... Hop. Voilà. Allez, hop. C'est bon. Voilà, hop. On va les laisser faire. Exactement. Allez, on y va. C'est pas par là, c'est pas de l'autre côté. Bien sûr, Loïc. Salut les filles. Alors, toujours la moustache. Voilà pour vous. Allez. On va aller battre les deux mobs blablablines de foudre. De type... De toute beauté. Ah, ils sont là. Yvette sont ici. Allez, venez. Salut les filles. Oh. Allez, on y va. Voilà les gars, petit coup fatal ici et on est bon. Allez, tout ça parce qu'on avait besoin de poulet, tu sais. Épreuve basique de foudre, victoire. On avait juste besoin de poulet, alors on est un peu haut en level pour cette bataille là, mais ça nous permet de nous refaire un petit peu les... Ah non, c'était les jolis chuchus, celui-là. D'accord, ok, on en avait besoin. Donc c'est pour un tout petit peu plus bas sur la carte. Donc c'est pas un problème, c'était ce qu'il nous fallait. Donc on va débloquer encore quelque chose. On va se faire la bataille principale, là, maintenant. On va partir sur la quête principale. On va aller valider quand même ça, ce qu'on a récupéré. Et puis on va descendre Kanka. Tout tranquillamente. Ok, celle-ci c'est bon. Du coup... Alors ça doit être pour le poulet. Et est-ce que c'est ça? Ah, il nous en manque encore. Il nous en manque encore... Hey! Mais salut! Comment ça va? Salut mon Mélio! Il nous en manque encore. Eh ben c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire de l'aventure principale. On attend que Mélio s'installe les gars. Et puis on va se faire un petit peu d'aventure principale. Ok, allez, reprise d'Aka. C'est parti les gars. Niveau conseiller 25, on est avec Zelda et on est avec Urbosa. On va prendre peut-être de quoi infliger plus de dégâts ou des déplacements plus rapides. On va peut-être prendre des déplacements plus rapides, c'est quand même assez pratique. On va cuisiner ça et on est parti. Ça va. Écoute, ça va très très bien mon chouchou. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. On est reparti dans de l'aventure principale. Pendant que les quatre prodiges s'entraînaient leur créature divine, Prouha et son équipe de chercheurs, la vôtre, experts en reliques, étudiaient la tour qui était soudainement apparue dans la plaine d'Hyrule. Ils découvrirent que la tour Shaïka, telle qu'ils l'avaient baptisée, n'était pas unique en son genre. D'autres tours similaires étaient enfouies profondément à travers tout le royaume. Et leur émergence semblait contrôlée par un dispositif à l'intérieur même du château d'Hyrule.
Les chercheurs aboutirent à la conclusion que le dispositif de contrôle des tours Shaïka ne pouvait être activé qu'au moyen de la tablette Shaïka. Zelda décida donc d'aller étudier de plus près ses tours avec Prua. Comment ça se fait que tu puisses pas, mon Melio ? Moi, je t'avouerais que j'aurais dormi encore, mais... Mais vraiment, quoi. Je sais pas, un siècle et demi, un truc comme ça. Encore à étudier ces reliques. Dites-moi si le son est bon pour le jeu, pour vous. Pensez-vous avoir le temps de vous préoccuper de telles futilités ? Eh bien... C'est R2-D2, les loulous. Ceci est une relique que j'avais trouvée un jour où j'étais sortie avec mère, il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Mère et moi avons beaucoup discuté à son sujet. Nous pensions qu'elle renfermait sûrement un pouvoir spécial. D'accord, mon Melio. Et il va bien, ça va ? En fin de compte, je n'ai jamais réussi à déterminer son utilité. Croyez-moi, père, plus nous en apprendrons sur le fonctionnement de ces reliques, meilleures seront nos chances face au fléau. Certes, mais vous oubliez que là n'est pas du tout votre rôle. Je n'ai nullement l'intention d'abandonner mon entraînement, mais... J'essaie seulement de servir le royaume au mieux, de me rendre utile autant qu'il est possible. J'estime, tant mieux, mon chouchou, que vous vous dérobez à votre devoir. Mais non... Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais j'espère m'être bien fait comprendre. Je crois qu'il y a un mini-moi qui se réveille. Mais non, je suis sûr qu'il y a un mini-moi qui se réveille. Attends, il n'est pas encore arrivé. Il va bien dès, je pense. Il est en train de pousser ses jouets. Et s'il restaure ces machins choses chez Ika, qu'est-ce qui se passera au juste ? Il semble que cela leur révélerait instantanément l'emplacement et la nature de nos forces. C'est sûr que ça nous arrangerait pas s'ils savaient où nous trouver. Pas spécialement. Les mesures ont été prises. Le moment est venu de travailler un peu pour moi. Un peu de respect, c'est pas. C'est un ordre du seigneur Ganon. Oh, pardonnez-moi. Un gardien abritant le fléau Ganon. Avec une telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau ? Est-ce que tu penses que dans le deuxième opus, on aura affaire à lui ou pas ? Dans le deuxième Zelda Breath of the Wild ? C'est une question que je me pose en fait. Ou alors on le bat dans cette opus-là et Zelda emprisonne Ganon et... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Continuer sur notre lancée, allons restaurer toutes les autres tours.
Après avoir réussi à réactiver la tour de la plaine, Link et ses compagnons se mirent sur les instructions de Pouha à restaurer les unes après les autres les tours qui étaient apparues aux quatre coins du royaume. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de leur laisser le champ libre. En arrivant à la dernière tour, celle d'Akala, Link et ses compagnons allaient découvrir que le gang des Iga les attendait de pied ferme. Mais écoute, nous, on va faire ce qu'il faut, je pense. Alors, forteresse d'Akala, une forteresse réputée imprenable, clé de voûte des défenses de la région d'Akala. Elle est érigée sur des hauteurs et dispose de nombreux canons. Ok, bah écoute, on va voir ça. Allez, on va passer par là. Alors, nouvel objectif, il est de l'autre côté, on va passer comme ça, je pense. Et moi donc, comment ça va mon Lio, t'es en forme? Oui. Oui quoi? Cette zone était dédiée à l'étude des gardiens, certains spécimens ont été laissés là. Et si nous activons un gardien pour dégager la voie grâce au pouvoir de notre petit ami? Ok. Alors, où donc? Là-bas au bout. Allez, on va essayer un petit peu de voir. Oh. Oula, j'ai pas le temps. Waouh. Comme ils sont deux. Allez, faites voir les gars. On n'a pas que ça à faire, on n'est pas d'ici. Voilà pour vous. On va voir ça, salut. Attends, on va regarder. Et on peut activer ça, ok c'est bon. Et coucou mon chou, comment tu vas, t'es en forme? Bienvenue, bienvenue. Quoi de neuf? Quoi de neuf, quoi de beau? Alors, rendez-vous à la forteresse d'Akala. Ok, bah écoute, on va y aller tous ensemble et puis on va y aller comme ça, je pense. On est Herbosa avec nous. On a tout le monde avec nous, attends. Est-ce qu'on peut... On peut peut-être pas, si. C'est sérieux, là? Non, tu vois, on peut pas, c'est dommage. Mais par contre, on peut faire le tour. Bon, on ira tout à l'heure, mais à mon avis, il y a quelque chose à choper ici, là. Allez hop, tu prends ça. On y va, on va reprendre la forteresse juste là-bas. Hop là. Mais il y en a des millions. Hop là. Regardez un petit peu qu'on est. Allez, on va libérer cet endroit là. Ah, c'est bien ça. Donc, du coup, c'est bon. Bon, on va regarder ce qu'on a ici. Ah, super, des rubis. On est bon. On va nettoyer là. Il n'y a pas franchement d'urgence, donc on va faire ça plutôt sympathiquement, je pense. Allez, on va nettoyer tout le coin. Ah bon, je savais pas, tiens. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors attends, fais voir. On va faire comme ça et ça. Voilà. Attends, levez-vous du milieu. Merci les gars. Déroule. Oh là là, oh là là, salut toi. Comment tu vas? Tiens. Allez, on va l'assaisonner un petit peu, ça va lui faire du bien. Hop, loupé. Ouais, ça devrait aller. Hop, petit chaos des familles. Et on est bon, on va voir ça bien sûr. On va dégager ça là.
Oula, désolé. Alors qu'est-ce qu'on va là? Je sais pas du tout ce que c'est, mais on va regarder si jamais on peut interagir avec ça, mais c'est pas sûr. Non, on peut rien faire. Et il faut y mettre du feu, je pense, là, mais... Tu sais, comme au fourneau d'Akala. Ouais, ça se tient, en fait. En vrai, ça se tient. Est-ce qu'on a une pomme, là? Manger des pommes. 5 fruits et légumes par jour, bien sûr. Fais-moi un peu. Salut, les gars. Attendez. On arrive, hein. On a juste... Ah oui, c'est un peu haut, quand même. On a juste envie de ne parler de rien. On a... L'épée, elle est quand même assez puissante. On est bien avec cette épée. Alors, on n'a pas encore utilisé... Effectivement, on n'a pas encore utilisé nos aspects de terrain. Foudre. E. R. O. Mais... c'est pas grave, de toute façon, il fera avec. Quel est le problème? Enfin, je sais pas. Ils sont bizarres quand même, les parents, des fois. Il n'y a plus d'énergie. Un fourneau optique d'appoint pourrait-il recharger les batteries? Ok, ça c'est repris. Ah, pardon. Nouvel objectif. Ok. Donc du coup, on n'a pas été jusqu'à là-bas, mais on a un nouvel objectif. Alors, fais voir. Activer, bien sûr qu'on va activer. Et pas du tout, tu voudrais regarder parce qu'on va le faire après et j'aurais bien aimé en fait. Ce serait vraiment sympa, Melio, si t'arrivais à regarder ça. J'ai pas eu le temps de regarder hein, pour être tout à fait franc avec toi, mais du coup, est-ce que. Ok, on doit toujours passer par là. Est-ce que en face la porte s'ouvrirait? Peut-être pas, attends, on n'est pas du bon côté déjà. Ce serait mieux si on partait du bon côté. On va aller par là. On va voir si en tuant le gardien ça le fait, mais sinon c'est pas grave. Hein. On passera, on fera tout le tour. Hop. Voilà, allez hop, ça dégage. Mais quel jeu. Hop, ça va pas la tête. Le jeune rigolo, il a cru qu'il allait nous la faire à l'envers, le mec. Hop, hop. Jeune Yagas, qu'est-ce qui est Nikos? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous as pris pour un bleu ou quoi? Hop, il nous a pris pour un bleu, le mec. Tiens, par contre il faut se lever, hop, voilà pour toi, et rebombe, et on est bon, il nous a pris pour Nikos Aliagas le mec, allez un petit coup fatal et on est bon. Ok attends, on va récolter ça, est-ce que ça, oui salut, maman est près de toi, il faut lui dire maman c'est quelqu'un pour toi. Alors est-ce que ça va ouvrir par là ou pas du tout, c'est ça, c'est là la question. Oula, c'est un popé. Nouvel objectif. Alors attends, parce qu'il faut que j'allume un plus grand. Donc là, on est parti. On est parti, regarde, on va faire ça. On va prendre Dame Zelda, qu'on va envoyer... peut-être bien ici. Zelda, il va aller là. Nous, on va s'occuper des deux duos. Et je pense que Urbosa la grande, Urbosa la douce, va aller ici. Et je pense qu'on est bien si on fait ça. Bim. Et nous on va s'occuper de deux duos. Je trouve que c'est assez sympathique. Je pense qu'on devrait faire ça comme ça en vrai. Allez on est parti les gars. Alors nous on n'est pas dans le bon sens par contre. Le bon sens en action c'est là. Attends, t'as vu? Ça va? Par où ça se passe? Ça se passe par là pour nous. Ça se passe pas mal. Salut. Attends. Voilà pour toi. On va prendre le petit passage ici. Voilà. Hop, salut les filles, toujours la moustache. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui, mais regarde, il y en a plein, il y en a pléthore, les amis. Regarde, on a des trucs là aussi. On allait passer à côté. Parce qu'en fait, on a vachement besoin de sous si on veut faire des fusions et des choses comme ça, en fait. Aujourd'hui c'est sapin de Noël, c'est vrai, nous on l'a fait, j'aurais fait la surprise de le rapporter mercredi en vrai. Mais bon, comme Amandine ne travaille pas, tu vois, c'était assez pratique en fait. Ok pour vous.
Et du coup, ouais, non, c'était assez pratique. Alors, on n'a pas trouvé de Korogu, malheureusement, pour l'instant, mais... Il y a des caisses, là. On va essayer de voir. Voilà pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. J'essaie de regarder, hein, si clairement, si on voit pas de... Si on voit pas de Korogu qui traîne, tiens, regarde, il y a des choses là aussi. Voilà. Allez, ça peut aider, ça. On va libérer, délivrer ici, déjà. Salut. Hop. Le capitaine Yega, il est ici. Hop. Hop. Et voilà pourquoi. Ok, petit coup fatal. Et moi, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal, hein, pour une reprise, les gars. Il y a plein de trucs qui ont popé. On va voir ça. Allez, on va activer le porno, hein. Qui est ici? Normalement, ça devrait faire. On a pris. Là, y a-t-il quelque chose d'autre? Pas du tout pour l'instant. On va regarder les caisses qui sont là, bien sûr. Est-ce qu'on peut... Oui, on va prendre... On va prendre ça. Y a-t-il un Korogu qui traîne? Pas du tout. Salut mon chouchou, bidou à la crème, regarde. Voilà pour toi. Bah pas encore, on n'a pas... On n'a pas trouvé en tout cas. Alors c'est un peu loin, tu vois, ça c'est dommage mais c'est pas grave. Elle est tellement goldée l'épée, mais vraiment tellement goldée les gars. Voilà pour vous. Allez, distribution. Mais alors... Allez, bim. Allez, on va vider ça. Enfin, je pense. Est-ce qu'on est au bon endroit? Ah oui, voilà, c'est ici, pardon. Autant pour moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Déjà, on va le marquer et on va faire ça. Voilà. Dommage. Bien joué. Hop. Pour eux. On y met un petit coup de bombe et normalement on est pas mal. Voilà, c'est bon. Distribution, ouais, c'est ça, c'est la distribution. Distribution de monnaie virtuelle. Je donne des bofs. Je donne des belles bofs. Allez, fais voir. Pardon. On va activer le fourneau. Alors je sais pas où est-ce qu'ils apparaissent, mais ils apparaissent. Voilà pour Link. On a, je pense, quizé pour Link. On va regarder la carte générale. Du coup, ils apparaissent où? Ils apparaissent plutôt là-bas. Fourneau antique, là je les ai, mais j'ai pas les Bloblins sur la... Ah si, 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 d'accord. Écoute, on va déjà changer. On va passer avec Zeldouille. Alors par contre, il faut qu'on arrive à voir, c'est ça, alors il y en a deux bleus, ok. Salut, alors ce qu'il faudrait les gars, vraiment, hein, c'est que vous arrêtiez vos bêtises, merci. Hop. Hop, loupé. Voilà. Hop, salut. Dommage, c'était bien tenté après. Hein. C'était très très bien tenté les gars. Allez hop.
Ok pour vous. Allez. Bon, c'est pas mon main préféré. Hein. Vraiment, je préfère Mifa, mais écoute, c'est bien aussi. Hein. Bim. Hop là. Ouais, c'est vraiment pas. Alors, ah, j'ai pas réussi. Autant pour moi. Voilà pour vous. Allez. Allez, les deux. Voilà. Allez, ça devrait le faire. Un petit coup fatal ici. Ouais, c'est pas mon main préféré. Un petit glaçon, exactement. Oh là. Loupé. J'ai pas... Désolé, j'ai paniqué. C'est parti, j'ai paniqué. C'était pas fait pour, mais ça a paniqué tout seul. T'as appuyé sur le mauvais bouton, tu sais. Allez, ici c'est bon, on va nettoyer ça. On va récupérer ce qu'il y a là. Ok pour toi. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, c'est possible. Alors. Ouais, il faut vraiment être proche en fait. C'est vraiment pas mon main préféré en fait. Est-ce qu'on a autre chose? Peut-être pas. Là, ce que je vais faire... Non, c'est pas ça. C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais passer par là. Lincoln, on le laisse là ou pas? On peut le laisser là pour l'instant. Et puis, on verra où est-ce qu'on peut aller. Je pense que de toute façon, il va falloir prendre Zelda et aller de ce côté-là. En vrai... je pense que Zelda, on peut l'envoyer ici. Voilà. Link, on va le laisser là et puis on va aller avec Urbosa tout simplement. Hop là, c'est dommage pour toi. Hein. Oh. Urbosa, on n'est pas trop habitué non plus à rouler avec, j'allais dire, mais ouais. Allez hop. D'accord, ça fait dans ce sens-là. Hop. Allez, petite ulti, des familles, voilà pour toi. Et Jean-Maurice, t'es où? Il est là. Voilà. Allez, allez. Hop. On va s'avancer vers lui, on va le bloquer, bim, comme ça. Et un petit coup de fatal, et on est bon. Je t'ai mis sur ma PS5, ça passe bien sur la télé, c'est vrai? Ah, c'est sympa, merci. Ok, bon, ça pop un petit peu de partout comme Iggy, là. On va activer ça, on va prendre le coffre qu'il y a là. C'est le dernier. On a pris de la perche enduro, du champignon vigueur, tant mieux. On est tout plein de vigueur. Activez les hauts fourneaux d'un point. C'est bon, rendez-vous à la forteresse d'Akala. Donc là, maintenant, je pense qu'on va prendre Link. Hein. Et on va regarder, mais je pense que, ouais, c'est ça. On peut y aller par là. On doit pouvoir. Un gardien s'active dans la forteresse d'Akala. Oh, le gardien. C'est le moment de déguerpir. Ouais, c'est ça. Mais par contre, nous, il va falloir se le gaufrer, je pense. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, attends. Est-ce qu'on pourrait pas appeler les autres? Tizot? Alors, fais voir.
Elle est presque là. Elle est presque là. On va prendre, on va appeler Urbosa. On va lui dire de venir Isai. Voilà. Ok. C'est parti. Je pense que ça devrait le faire. Oui. Ah mais non, d'accord. Ah bah zut alors, je pensais pas. Je pensais pas. Donc du coup, regarde. Est-ce que... Par là. Et par là. Ouais. Nouvel objectif. Ah, c'est pas là. Il est pas là le nouvel objectif. Attends, c'est de l'autre côté. Je me suis trompé. Les gars, je me suis trompé. Ça arrive. D'accord, c'est là. C'est dans cette pièce-ci. Salut. Oh. Voilà. Punaise. Tiens, toi tu vas ouvrir grand surtout. Ok. Pourquoi j'arrive plus à le toucher là? Explique. Vous avez un certain talent. Mais ouais, ok, mais pourquoi? Alors il a disparu de là, il est où maintenant? Je vais aller libérer de l'autre côté alors. Retrouver et éliminer Supra. D'accord. On sait pas où il est, mais c'est pas grave. On va passer par là, là. On va libérer ce coin-là. Est-ce que c'est par là? Ouais, ça a l'air par ici. Donc du coup, on joue à cache-cache. Ça nous avait manqué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à cache-cache, les gars. Donc là, j'avoue que... Moi, ça me plaît assez. Ok pour vous. Oula, mais il y a de tout là. On a des bananes, nickel. Ça c'est la base. La base de l'alimentation. Alors, on va regarder, on va essayer de prendre tous les endroits. Ici on va. Alors, normalement le chef va bien apparaître quelque part. À un moment donné les gars. Oui, il est là. Hop, tiens, tu prends ça dans la mouille déjà. Ok. Dommage. Par contre, voilà. Viens ici. Ok. Loupé. Loupé. Et voilà, pour toi, c'est fait. Excellent comme toujours, Link. C'est un soulagement de t'avoir à nos côtés. Mais bien sûr, on est comme ça. Et oui, j'arrive à lire tout en tapant. Taper. Ok, par contre, lui, on l'a pas trouvé hein, encore. Est-ce que... Yes, papa. Ouais. Alors, ici, c'est bon. Il faut passer par de l'autre côté. Ça doit être à l'étage, je pense. On aurait dû rester de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc, déjà... On va fouiner dans toutes les pièces. Alors attends, non, parce qu'il y avait un truc là, non? On va regarder, il me semble que... Ouais, c'est par là? Non, alors c'est pas par là, ça nous fait sortir. Fais voir par ici. On tombe dans une salle toute ronde. C'est par ici. Ah non, mais il y a une tour. Et qu'est-ce qu'on a? Punaise, on a trouvé... On va voir ça. Il y a une tour qui a poussé complètement dans le château, les pauvres. Oh, punaise. Super. Et du coup, là... là, du coup, je pense qu'il n'y a rien à faire, en vrai. Donc, on va repasser par là. Mais on a bien fait d'y venir, hein, parce que... Du coup, sinon, on n'aurait rien trouvé. Y a-t-il un autre coffre de l'autre côté? Je ne crois pas. C'est toujours délicat, je suis désolé, j'espère que ça vous va, mais c'est toujours délicat quand il commence à courir, Link. Pour vous faire quelque chose d'un peu propre et pas vous faire mal aux mirettes. Alors, on va passer comme ça, là. Urbosa est là. Je pense qu'il faut passer par l'étage, en fait. On s'était battu par là, on va aller par ici. Et il y a de quoi... Il me semble qu'il y a de quoi grimper, mais j'en suis pas sûr. On va regarder quand même. On avait vu des marches d'escalier, non? Ouais, c'est ça.
On avait vu des marches d'escalier, on va les regarder là-haut. Oh, un Korogu, salut! Mais alors? Ah, bah ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas trouvé en plus. Je suis assez content. Voilà pour toi. Là, on a pris, je ne sais pas, mais on l'a pris. Allez, on grimpe à l'étage. Voilà, c'était ça. Pardon. Oh, un linel bleu, t'es sérieux, hein? On est trop loin. On est trop loin, les gars. Alors, fais voir. Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. On peut faire ça. Wow! Oh putain, l'esquive! L'esquive, les gars! Putain, l'esquive! De toute beauté, les gars! Oh purée! Alors là, je dois dire que c'est un miracle. Wow! Ouais, j'ai pas le temps par contre, là, j'avoue. Voilà, c'est parce que. Allez, tu dégages. Allez. Ah, j'ai pas eu le temps. Purée, j'ai pas eu le temps. Hop là. Ah. Allez, aidez, allez. Il va pas du bon côté. Wow. Tiens, petit ulti. Oh, il est... Mais il est vénère. Il est super vénère. Faire du rodeo sur le dos de papa. Ouais, non, il est super vénère en vrai. Mais bon, on l'a eu. Mais il est super vénère. Voilà, il faut le dire, les gars, clairement. Allez, on va ouvrir les caisses. Ouais. Il y a des caisses là aussi. Voilà. Ici aussi. Pardon, excusez-moi les gars, je m'occupe de vous, je suis là, n'ayez crainte. Ah, l'office prodigue se réveille. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, super! Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et on va faire cette caisse-là. Yes, papa, du feu. Papa, c'est vraiment toi le meilleur! C'est ça mon chéri. Coucou mon prince. Alors droite ou gauche? Bah allez hein. L'autre droite alors. Salut les Nikos Aliagas. Vive. Allez, on va dégager tout ça là. Le chef, je sais pas où il est, mais il va apparaître hein. On va leur faire confiance là-dessus, je suppose. Alors pour l'instant pas, mais ça va venir. Ça va viander les gars, ça va viander. C'est ça, il est là. Oh, gars. Il est là, Supa. Supa, Supa. Allez. Voilà mon chou, je sais pas où il est, mais il doit être groggy. Calté. Punaise, je pensais qu'il était groggy. Ouais, j'ai pas le temps. Voilà. Allez hop. Je crois aussi.
Non, mais non, non, pas du tout. En fait, comme t'es habitué à Breath of the Wild, Lyon, bon là il va disparaître, ça sert à rien. Et c'est... Ouais, comme t'es habitué à Breath of the Wild, en fait, non, non, ça se fait tout seul. Faussement, tu crois que, mais non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Salut les filles, alors ? Ouais, non. D'accord. N'est-ce pas pas ? Non, non, ça se fait, ça c'est bien, Lyon. Hein, il se fait tout seul. Enfin, il se fait tout seul. Ça se fait pas tout seul. Hein, rien ne se fait tout seul. Mais. Il va nous sortir le boss de la contrée ou pas du tout? Je pense que oui. Il est là. Et j'ai pas eu le temps de le voir. Ah, zut. Voilà. Merci. Excuse-moi. J'arrive. Alors, excellent comme toujours, Link, mais de rien. Mais, alors, il a voulu nous prendre par derrière, le vilain monsieur. Du coup, trouver Supa. Supa. Où, mais où donc tu Supa? Hop là. Est-ce qu'on peut... On va continuer par là, je ne sais pas du tout. Alors, normalement, je pense qu'il va être en haut de la tour, peut-être. Hein. Est-ce que... Non, tu vois, ils ont bloqué la... Mais moi, je les aurais bien pété, ces caisses-là. Salut! Alors, on est où? On est déjà venu ici? Oula! Alors là, et sérieux, les gars. Déjà, on va commencer comme ça, parce que vous le prenez mal, tu vois. Et comme tu le prends mal, bon, on va commencer comme ça, mon chouchou. Non mais c'est moi qui suis désolé. Hop là, loupé mon copain, mon cousin. Alors là, Joe le skill, il est passé par là, les gars. Il y a du skill ce matin. On a un peu de skill ce matin, tu vois. Ça arrive sur un malentendu. Hop. Mais quelle tête de mule, ma parole. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller. J'ai pas regardé. Oh, c'est la dernière. Espérons que ces tours seront utiles contre le fléau. Pardon. Reprise d'Akala. Eh ben écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On a sorti le skill ce matin. On a fait quelques belles esquives en tout cas. Sur un malentendu, ça arrive. Ok, une épée de chevalier. Link ne peut pas transporter davantage d'armes. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a. Écoute, on va vendre... Pardon. On va vendre celle-ci déjà. Un marteau. Si j'avais un marteau. Parce qu'en fait, on n'utilise pas tout ça. Je vais regarder un petit peu quand même ce qu'on a là. Mais... Ouais. Tu vois, niveau 13, ça... On peut peut-être le vendre, je pense. Allez, on confirme. Il nous fait un petit peu de sous. On va pouvoir fusionner pas mal d'armes, là. Zelda ne peut pas transporter davantage, ok. Ouais, du coup, elle est blinde aussi. On est à blinde avec... Allez, fais voir. Niveau 7, ouais, tu vois ça, les niveaux 7, on peut les lever quand même. Ça. Punaise, il faut en enlever une tonne, là. Ok. Et Urbosa la grande, qu'est-ce qu'on a chopé? Ah, super! Un beau. Pour Daruk, ça c'est parfait. On n'utilise pas trop Daruk, hein. Clairement, c'est pas mon main préféré. Vraiment, je reste sur. Urbosa, ça va, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Je préfère vraiment Mipha, quoi. Link et Mipha, ce sont mes deux préférés. Impa, j'aime bien aussi. Regardez comme la vue est belle. C'est magnifique. Pourquoi ?
J'aime bien Pro. As-tu découvert quelque chose? Elle est mimi tout plein. Quand elle est un peu plus grande. Wousti! Pua, votre Altesse, on dirait que cette tour enferme une incroyable puissance. Il semble qu'à l'origine, ces tours Sheikah étaient des édifices censés détecter la résurrection du fléau. Je vous ai mis un peu plus de son. La tour transmet des informations sur son environnement à la tablette Sheikah. On peut ainsi voir en un instant toute la géographie d'Hyrule et les mouvements des monstres. Ça veut dire que nous pourrons établir notre stratégie tout en suivant les déplacements de l'ennemi? Exactement! Oula, oula! Oh putain! Bon, plutôt qu'une longue explication, le mieux est peut-être de passer à la pratique. Mais pourquoi pas? Est-ce que ça va influer dans le gameplay vraiment? Dans ce qu'il nous propose? Peut-être. On va voir ça. Alors, il va falloir passer par la forge, par contre, parce qu'on a beaucoup de choses. Ok, cette bataille, c'est fait. On en a une autre qui vient de popper. On n'a pas... Punaise, il y en a de partout, c'est terrible. Putain, les gars. On dirait un sapin de Noël, ça c'est clair. Comme un sapin de Noël. Bon, bah, si vous saviez pas quoi faire, on va passer l'année ici, hein. Mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ok, on a une bataille ici. On a ça, repère des Yagas. D'accord. Niveau conseiller 33. Donc je pense que je suis pas certain qu'on puisse le faire. Ah si, on est niveau 40. C'est avec Zelda. Ok. Alors on va quand même faire un petit tour d'horizon, mais il y en a de partout, c'est terrible. Je saurais pas par où commencer. On va déjà essayer de se faire de la nourriture un peu autre. Je vois que ça a popé. Et après, on se fera un petit peu tout ça. Alors, on va pas partir là, là, mon chouchou. Qu'est-ce que... Alors, mesure de protection électrique. Rapidité du Polaris. Ok, ouais, ça, on va le prendre. Mais c'est pas celui qu'on préfère, mais c'est pas grave. On va regarder si on n'a pas, plutôt les bombes, quelque part. Ok, Polaris Plus. Parfait, temps de recharge amélioré. Les étoiles, je sais pas du tout ce que c'est. Il y en a de partout, sérieux, il y en a de partout. Ça c'est quoi? Recherche au point de mort. Ok, ça c'est verrouillé pour l'instant. Donc là il nous faut de la viande. Là c'est des équipements. Résolver le problème des habitants de la région de Firon. Écoute, ça on va le faire. On va faire... Je sais pas par où commencer tellement il y en a, c'est quoi ça? On n'a rien sans rien. Vous recommandez à nouveau le teinturier. Donc ça c'est le teinturier. On a de la livraison là. Mais il y en a tellement... Ah les bombes, regarde. Bim. Ouais gentil, ouais. Ça on va le faire puisqu'on les utilise pas mal. Ce qui serait bien c'est quand... Et salut Mentalis, bienvenue à toi. Alors les étoiles servent à te donner le pourcentage de complétion de la zone, d'accord. Ok. Et eh ben écoute, on va regarder ça. Bombe, c'est bon. On va regarder les bombes. Qu'est-ce qu'on a? Mais il y a tellement de choses. On va regarder s'il n'y a pas autre chose par contre. Est-ce qu'on a... Tiens, on a de la bouffe ici, on va regarder. Panne d'inspiration culinaire. Une recette de brochette de champi. Fais voir. On va prendre ça aussi. Mais il y a tellement à farm, c'est incroyable. Bienvenue à toi en tout cas. Installe-toi confortablement. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Bienvenue chez les galériens. Ok, pour ici... Vitesse de déplacement plus 15%. Alors ça on avait déjà, mais c'est toujours utile. Moi j'aime beaucoup en tout cas le pouvoir. On puisse se déplacer un peu vite. Tiens regarde, il y a Cryonis juste là, donc on va aller la valider si on peut. Alors pas là. Ça il nous manque du poulet, donc on le fera un peu plus tard. Il faut vraiment farm
On vraiment farm pas mal en fait. Alors Cryonis, c'est bon. Maintenant, il nous en manque plus qu'un. Si jamais on l'a quelque part, on va regarder. On va faire le tour. Il est forcément quelque part sur la carte, mais où? Peut-être plus bas là. Ouais, il. Mais oui, mais c'est ça, je suis bête. Par contre, il nous manque des rouages. Ok. Ouais. Les mentions d'anciennes reliques pour renforcer Cinétis. Ça, c'est dommage parce qu'on aime bien Cinétis en vrai. Bah, c'est pas grave, on le fera plus tard. Et pour l'instant, j'ai de la détection un peu de partout, donc je peux pas. Plus, on peut pas faire. On va regarder ici. Taux d'accomplissement 25%. D'accord. Ouais, parce qu'il nous reste, des trucs. Là, ici, on en est à combien finalement? 22% taux d'accomplissement. Espoir radieux dans toute Hyrule. Et si vous résolviez tous les soucis des habitants? Ah ouais, il y en a quand même. Ok, espoir du centre d'Hyrule, ok. Éclairage nocturne. Eh bien écoute, on peut faire ça, déjà. Alors, l'éclairage nocturne des routes. Grâce à l'installation des lumières, les routes sont devenues plus sûres et de nombreux nouveaux voyageurs se sont mis à les emprunter. L'est d'Hyrule va pouvoir se développer davantage. Parfait. Au centre, tu as deux étoiles qui te donnent le pourcentage d'Hyrule centre et l'autre le pourcentage total. D'accord, ok, c'est cool. Merci en tout cas, merci bien pour ces infos. Ok, pour ici. Mais ouais, mais il y a tellement de trucs à faire en vrai. Est-ce que celui-là, on l'a goldé ou on est bon ou pas? Non, il nous manque toujours du poulet. Niveau conseiller 27, on est pas mal. On a qu'un. Mais qu'est-ce que. Mais il y en a tellement. Qu'est-ce qu'on a? La boutique de champignons de Korogu est ouverte. Allez, ça, on va le faire. Bim pour Noya. Un quart max pour lui. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur Zelda et si on a d'autres choses pour Link aussi. Il va falloir décider ce qu'on fait. Pour équilibrer un petit peu tout ça. On regarde un petit peu, puis après on repart en bataille. Hein, vous en faites pas, les gars. Alors, remède contre la frustration. Impa est démoralisé car les recherches au laboratoire antique ne progressent plus. Apporter aux recherches quelque chose pour leur remonter le moral. Allez, on va faire ça. Bim. J'ai réussi. Ah, on va quand même augmenter un petit peu tout ça. Ce sera vraiment bien. Allez, on fait un petit peu tout ce qui traîne. Ce n'est que le commencement. Parfait. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment Mipha, quoi. Alors là, il nous manque des choses. L'amphithéâtre basique, niveau 30. Pas d'apparition d'objets générés, temps limité. D'accord. On a tellement de choses à faire. Là, il nous manque quelque chose. Ouais, il nous manque de la gelée encore. Pourtant, on en avait farm, il m'avait semblé, la gelée. Je vais regarder si on n'a rien pour... Hop, ici, il nous manque de la volaille fine. D'accord, venaison fine. On a vraiment pas mal de trucs. Allez, on va essayer cette bataille-ci. Et puis après, on verra un petit peu ce qu'on fait. Alors, offrande pour une voyageuse démunie, une voyageuse épuisée se lamente à traverser l'impitoyable désert à la recherche de la fontaine de la grande fée. Mais il lui manque de quoi faire son offrande. 4005, ouais, allez, on va lui donner. On en a, ouais, on en a. On va lui filer. C'était impressionnant. Y et XX sur Z. Alors, je t'avouerai que c'est pas mon main préféré, mais ouais, je suis plus Mipha, moi, en vrai. Mais Mipha et Link, ce sont mes deux préférés. Ok, pour elle, ça c'est bon. Et on a vraiment, vraiment beaucoup de choses en fait. Alors, fais voir un petit peu ça. Il y a aussi. Alors, écoute, on va peut-être essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'on a en récompense là? Ce qu'il nous faudrait, c'est de la viande en récompense. Mais de la viande ou des gelées.
Domaine Zora ici. Tiens, qu'est-ce qu'on a? Entraînement à la plongée. Tiens, on va faire ça. Bim, entraînement à la plongée. On va essayer de valider un tout petit peu ce qu'on peut parce que sinon la carte ça devient un vrai bordel. Ok, c'est bon pour Mipha. Alors là il nous manque du poisson. Là il nous manque quelque chose, mais je sais pas où aller. Ducker Max, ce serait vachement bien Ducker Max pour Mipha, mais du coup il nous manque de la viande. Et la viande je crois que c'est ici en fait. Mais c'est du niveau 10, ça fait un peu bas quoi. Ah tiens, là on a de la bonne viande aussi. Allez, on va commencer par ça. On va faire ça, niveau 25 conseiller, fait des grandes plaines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de main et puis on va prendre Mipha avec nous. On va peut-être prendre un petit plat, mais tiens, au niveau de la rapidité, on va faire 10%, ça devrait être pas mal. Alors j'ai été forcé à aimer Zelda. C'est l'un des rares persos qui peut bloquer et déclencher... détecter des korogus via ses armes. Ah d'accord, bah écoute, j'en suis pas encore là, mais d'accord. Celui que je manie le mieux, c'est quand même Link. Mipha, ça va, mais... Mipha, ça commence à le faire. Quand ça fait un petit moment que je l'ai pas joué, ça me prend un petit peu plus de temps à m'y remettre dedans, mais... Ah, j'ai pas regardé les prérequis par contre. J'y suis allé un tout petit peu vite. On n'a pas regardé les prérequis. Donc on est en live nous le matin, le samedi matin, toute la matinée. Et sinon c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et tu as ça dans les horaires de la chaîne si ça t'intéresse, dans le programme. Que je mets à jour tous les dimanches. Alors généralement le lundi c'est à 20h, le mardi à 18h, le jeudi soit 20h soit 18h et le vendredi après un peu dans l'après-midi et un peu dans la soirée. Et généralement si ça t'intéresse on fait du multi. On sera sur du... on a fait du agro hier et on sera sur du Among Us demain. Vendredi prochain pardon. Allez, salut ma chouchounette. Hop, allez. Alors, fais voir. Allez hop. Punaise. Ah j'étais trop loin. Autant pour moi. Hop, on va lui balancer ça. Et on va reculer bien sûr avant qu'il nous tape sur la mouille. Bon, j'ai pas le temps. Autant pour moi. Hop. Et du coup, c'est la seule... Allez, c'est parti pour toi. Et bien. Autant pour nous. On est bon, merci Lio, merci pour lui. Alors fais voir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, ça ne marche pas. Je testais quelque chose, hein, les gars. Vraiment. Alors faussement, hein, j'aurais pas dû, mais voilà. Salut. Mais oui. Bien sûr, mais bien sûr les gars, c'est la fête à Nono là, j'ai bien l'impression. Viens ici. Allez, on va aller, tiens, on fait la deuxième, comme ça c'est fait, tu sais, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien effectivement. Ok pour toi, c'est bon pour toi aussi. C'est bon les gars, purée, c'est Noël. Et du coup n'oubliez pas parce que lundi on finit The Last of Us partout, lundi soir à 20h. À partir de 20h les loulous, allez.
On va passer par là. Ramasser des rubis. Hein ? Sérieux ? Ok. mais c'est Noël, les gars. C'est Noël. Putain, j'adore ramasser des rubis, moi. D'accord, mais écoute, pas de problème. On va passer par là maintenant. Donc il faut quand même aller vite, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on a quand même un petit timing. C'est vrai, ouais, c'est ça, c'est Noël, hein, c'est l'heure. Hop, salut. Alors, nouveau défi. Un petit inox avec elle, ça va être très très fun, je pense. Par contre, il faut se bouger la nouille, les gars. Il est où l'inox ? L'inox ? Ah, voilà. C'est l'inox. Hein, ça va être drôle. Ça va être très très drôle, ou pas. Tiens, tu te calmes. Alors, voilà. Il faudrait... Voilà, merci. Genre, on est... Oh, punaise. Je les avais utilisés, mais pas suffisamment bien, en fait, en vrai. Il est de type agressif, l'inox, ou c'est moi? Voilà. Tu te calmes, mon petit inox. Petit inox, toi qui n'as pas d'aile. Qu'est-ce que... Ça. Voilà. Hop. 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 Ah zut. Je sais pas comment il fait pour me faire mal comme ça, le mec. C'est juste sur l'esquive, on est moins bon que d'habitude, j'ai l'impression. Loupé. Loupé Charlie. Ah bébé. Voilà. Il nous reste 2 minutes hein, pour l'éliminer quand même. Je tiens à vous le dire. Dégage, dégage, dégage. Alors, fais voir un petit peu ce qu'on va lui faire. On va lui faire un petit truc comme ça quand même, parce que ça fait un moment. Voilà. Regarde. On va utiliser un petit peu tout ce qu'on a à notre portée. Alors, j'ai eu peur. Et ici, hop. Ouais, ça devrait le faire, je pense. Avec Link, c'est pratique parce que tu peux te mettre un peu plus loin et en fait tu l'assaisonnes avec les flèches tout simplement. Mais bon, c'est pas très très grave. Normalement, ça doit le faire. Voilà. Oula, salut. Hey, salut ma Soso. Comment tu vas, ma belle? Ah non, c'est une petite Soso que tu me fais. Je croyais que Soso était là, mon chouchou. Ah, par contre, il faut vite. C'est par où? Non, pas par là, par là. Ouais, il nous reste pas beaucoup de temps, je vois. Allez, fais voir. On va ouvrir ça. Dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà pour toi. Voilà pour toi. C'est bon. On est bon, les gars. Au niveau du temps, on est bon. Allez, nouvelle destination. Attends, fais voir. Est-ce qu'on peut casser ça? Non, pas du tout. Il n'y a plus de temps, là. Hein. J'ai pas l'impression, en tout cas, pour l'instant. Oh, punaise, je t'avais pas vu. Mais vous êtes sérieux, les gars, hein? Vous avez vu que nous, quoi. Allez, c'est bon. Tiens. Voilà.
Comme ça, vous arrêtez. C'est des cancers du typhus, ces trucs-là, là. Allez, on va passer comme ça. On va recharger nos ultis. Voilà pour toi. Allez, je pense que c'est par là. Fais voir. Hey, la petite fée, salut. Comment tu vas? Petite fée des étoiles. Toi qui n'as pas d'aile. Ah bah, il va falloir lui donner des pépettes, je pense. Ou il faut la taper. Je suis la grande fée. Coutura. Ah d'accord. Ok. Si tu veux. Mais t'es sérieuse là? Ouf. Allez, une ulti. Parce que du coup, il va falloir qu'on souhaite par contre juste derrière, sinon on va finir par mourir. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Je pense que c'est bien pour une fleur. Un petit coup fatal et on est bon. Ah, je l'ai pas eu. Si, c'est bon, l'ai eu. Voilà, c'est mieux. Oh, oh la bougresse. Mais, ce qu'elle nous met, hein. Sérieux. Attends, fais voir. Putain, elle est innommable. Allez. On va y arriver, les gars. Petit coup fatal ici. Ça lui fait pas si mal que ça, en fait, si. Ah si, quand même. C'est bon. Non, non, je suis une fougère, on t'a dit. C'est ça. On a gagné des fées. Génial, les gars. Super. Super. Allez, c'est bon. Il va falloir qu'on lui upgrade un petit peu ses armes à notre copine. Il va falloir qu'on augmente un petit peu nos personnages. Qu'est-ce qu'on a? On a chopé pas mal de trucs, mais tu vois, il nous manque un peu de la viande. On a 3 fées là. 3 et 2, 5 en fait, en tout. Par contre, on a gagné des sous. Ça, c'est vraiment pas mal. Apparemment, les fées seront jouables. D'accord, ok. Bah écoute, why not? Why not? Allez. Accumulation électrique, accomplissement terminé, la galerie a été mise à jour, ok. Pareil pour tous les climats, une association de marchands s'est mise en tête de distribuer des spécialités de la région, ok. Alors, preuve de la maîtrise de l'épée, ok. Ah oui. Allez, ça on va le prendre. Ok, on commence à être pas mal au niveau des X et des X et des X. X est bon, X est bon, X est bon. Là, qu'est-ce qu'on a? On est bon, on va envoyer ça aussi. Je l'ai chuchu. Ici. C'est bon. Est-ce qu'on a quelque chose pour Mipha là-haut? Yes, on peut toujours pas ça. Et ça, on peut toujours pas non plus. Là, on a déjà mis un repère, marque de son prénom. Est-ce qu'on mettrait un autre repère du style ici? Je pense que oui. Eh ben, regarde, on a ça,
Entraînement à l'espadon. Pas terrible. On va faire. Et ça, qu'est-ce qu'on a? Vers le laboratoire, ok. Pas d'apparition d'objets générés sur le fil du rasoir, ok. Regarde un petit peu tout ce qu'on a. Ça, c'est pour Daru qu'il nous faut des melons. Oui. Ok. Donc, en fait, il nous faut vraiment de la viande. Il nous faut vraiment de la viande, les gars. Là, la région, tu vois, on est qu'à 12%. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, des rumeurs sur l'étang. Donc, il nous en faut 100 et 100. Les récompenses, on les connaît pas. Écoute, on va, si on se faisait gentiment ceci, on va essayer ça. Varuta, partir au combat. On va essayer ça. La dernière fois, ça avait été limite, hein, pour Varuta. On s'en était sorti, mais de justesse. Je vous avouerais préféré Vamedo, peut-être, mais Varuta, c'était un peu moins ça, ouais. C'était un peu moins ça. On se fait ça, et puis après, on s'arrêtera. J'irai chercher un café, et on partira sur du... Du immortal Fanin Félix. Et ouais, je l'ai dit tout en baillant, c'est compliqué, hein, les gars. On a quand même. Allez, on va confirmer. Ok, nouvel objectif. Ouais, j'ai... Pourquoi j'arrive pas à aller... Ah ben... On peut lever ça là, tu crois? Coup de trompe, c'est ça, c'est coup de trompe, pardon. Autant pour moi, le temps qu'on s'y remette, c'est... Ouais, je trouve... Je trouve ça rigolo ces trucs-là. Alors, je suis pas très efficace, je vous avoue, mais. Je suis pas très très efficace, mais. Mais c'est rigolo. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut se soigner ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais j'ai des difficultés vraiment avec, avec elle. Avec cette bestiole-là, là. J'ai vraiment des difficultés. Voilà, hop. Je trouve pas ça, je le trouve pas, pas efficace en fait. Ouais, il t'assaisonne, ouais, il t'en met plein la mouille et t'y arrives pas quoi. Je pense que je vais mourir, mais bon, comme ça. Tu te rends compte jusqu'où il faut aller, on n'y arrivera jamais, quoi. Il y
arrivera jamais, je ne sais jamais. Ouais. Tu crois qu'on peut leur mettre un coup de trompe là, juste là, là, comme ça, regarde. Non, on peut pas. D'accord. Ah zut, on est mort. Ok, mais bah c'était pour savoir, c'est pas grave. Ben ouais, je trouve pas ça, je le trouve pas pratique en fait. Ah, le temps imparti est écoulé, vous avez donc perdu. Pouh. Ben on va recommencer, bien sûr. Ouais, tu perds tellement de vie, t'arrives pas à te protéger. Je trouve pas ça incroyable en fait. Mais bon. On va essayer l'ulti là. Ok pour toi. On essaye d'aller un peu vite, coup fatal, bim. On va voir ce qu'on peut faire si en faisant ça. Et tu vois, tu pars sur un truc là, ça. On va voir si en faisant ça, ça va mieux, mais essayer d'aller le plus vite possible en fait. On va voir, on a... C'est insupportable en fait. Le truc là, je trouve. C'est pas ma tasse de thé, vous l'aurez compris, le Vanedo là. Le Varuta, je veux dire. Allez, va pour l'ulti. Alors, voilà, si tu arrives, c'est mieux. Voilà, on essaie de. Tu après tu vois pas bien où tu dois aller, ce que tu dois faire. Et on est super à la bourre en vrai. On est vraiment super à la bourre les gars. Et vraiment ça va être juste je pense. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. C'est bon. Mais on était un petit peu à la bourre là. C'est joué vraiment limite, les gars. Du coup, on a dû récolter ce qu'il nous fallait. Ouais. Tu vois, on a les 10 poissons déjà. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Badadadam, padam. Allez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce jeu, les amis. Alors que, bon, c'est vrai que c'est pas loin d'être un de mes jeux préférés, là, en ce moment. Et on va partir sur... écoutez, sur du Immortal Phoenix Rising. Merci. Alors, du coup... Nouveau combo. Et celui-ci... C'est du poulet et des activations du détecteur Sheikah. Alors on va déjà faire peut-être celui-ci, non?
Il nous faut vraiment du poulet, hein. Je vous le dis, moi. Il nous faut du poulet, toujours du poulet, les gars. Allez, fais voir. On va aider ici. Je dois faire encore plus d'efforts. Allez, va pour du combo supplémentaire. Est-ce que on a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on a du link quelque part? Allez, fais voir, on va aider là. On va essayer de nettoyer un tout petit peu tout ça là. On va essayer de voir un petit peu ça, ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Qu'est-ce qu'on a là? Les matériaux requis, non, on n'a pas. Il nous manque quand même des choses là. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Pas du tout. Tu te calmes. Donc là, on est à 21% simplement là-dessus. Il nous manque de la viande. Des cœurs max, deux cœurs max de plus pour Link. On va le marquer, ça. Ça, on va marquer les cœurs max de plus pour Link. Ah, punaise, on a de la viande. On va l'acheter, bien sûr. On va acheter la viande, les gars. Allez, hop, on va acheter ça. Alors, oui. 12 000, ça va. Miam du KFC, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va nous en falloir? Il nous en faut 10, non, c'est ça? Il nous en faut encore. Sérieux? Il nous en faut 20. Est-ce qu'il en a encore, Josian? Il doit pas en avoir encore. Non, tu vois, ça a changé là. Purée. Purée, purée de purée. Tiens, ça on peut faire. Tu finis jamais en fait. Tu finis jamais. À la prochaine. Merci d'être passé en tout cas. Et à très très vite pour de prochaines aventures. Merci. Merci chouchou. Bienvenue chez les galériens en tout cas. Ok pour Impa. On est bien. Impa c'est bon. Ok pour là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, de la viande. Allez va. On va faire ça et puis après on se quitte là les amis. C'est parti. On finit ça et puis après on file nous aussi. On file sur autre chose. On va filer sur un café déjà et puis après on verra pour le reste. Pam padam 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 pam padam padam padam. On n'a pas déclenché de. Je me souviens plus si on a deux coups fatals en fait avec le. Ok pour toi. Alors, fais voir. Changer de point de vue. Voilà. Ah non. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, on l'a loupé, c'est pas grave. Voilà pour vous. Ok. Et on va faire comme ça. Dégage un petit peu le ciel parce qu'il y a vraiment beaucoup et puis après on refera le tour peut-être. Voilà. Là, c'est bon. Il y a un truc là-bas. Hop. Est-ce qu'on a quelque chose à voir par là? Pas du tout. Voilà pour vous. Voilà, ça c'est éliminé. Buvez éliminé. 5 fruits et légumes par jour, les gars. Inox qui est là. On va essayer de juste le faire. Voilà pour vous. Ici.
Voilà ici. Hop. Comme ça. On va se faire multi. Voilà, ça a dégagé déjà. C'est déjà un peu mieux. Alors, il y a mis beaucoup d'ennemis. 2000. Un inox, ça compte pour combien en fait, en vrai? Ouais, on y est là. On y est. Passer au milieu parce que regarde. Bon, ils sont 258 012 au milieu et c'est très bien. Voilà, on y est. Et du coup, on aura ce qu'il nous faut. Victory! Il est tellement addictif ce jeu, mais j'y passerai la journée dessus, hein, vraiment. Vraiment, j'y passerai la journée. Entre soutien, entre ça, entre découvrir la carte, entre la quête principale qu'on a à peine effleurée, je pense, hein, vraiment. Et clairement. Et du coup, ouais, c'est quelque chose quand même. Il est très équilibré, il est vraiment bien fait, c'est vraiment un très bon jeu. Ok, il y a d'autres choses qui pop. Mais normalement, là, on est bien. Ouais, c'est bon. Allez, on reprend de cœur. Punaise. Allez, ça commence à être propre. Par contre, tu vois, on n'a pas pris. Il nous manque de quoi avoir un ulti de plus. Du coup, combo d'épée à deux mains. Alors ça m'intéresse pas. On va voir, est-ce qu'on a du link encore quelque part là. Ici, on a Noya. On a Dame Zelda là, tiens. Dame Zelda là, il lui manque pas mal de choses. Et ça récompense quoi ça? 2 cœurs max. D'accord. Ça ce serait bien, mais c'est pas vraiment le mieux. Punaise, là, il nous manque des ailes de chauve-souris. Combo à la lance, mais ça m'intéresse guère. Ça m'intéresse guère. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui là-dessus. On se retrouvera à partir de mardi dessus. On va se faire une petite pause, les amis, et on va revenir sur un autre jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie. Je vous remercie pour ceux qui partent. Je vous fais plein de bisous. Et pour ceux qui restent, on se retrouve. Et coucou, mon Toki. On se retrouve dans 2 secondes 50, le temps d'aller boire un café et de changer de jeu. Je vous embrasse très fort pour ceux qui partent et pour les autres. À tout de suite. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Je vous embrasse. Bonne journée, bon dimanche et bon samedi après-midi. Bye bye. Ok, parfait. J'adore ce jeu. Colissimo sont longs à livrer. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes, je suis désolé pour toi mon chouchou, ça va bientôt arriver je pense, hein, mais clairement ils sont vraiment pas sympas quoi. Allez, on va queue au sol là, et puis on va passer sur autre chose, mais loulou, allez, attends.